Qu'est-ce Qu'est-ce que que j'entends? j'entends? Qu'est-ce Qu'est-ce que que j'écoute? j'écoute? Ce que nous venons d'entendre est un enregistrement des vibrations terrestres réalisé au niveau de la station ESPC, Etna Serra Pizzuta Calvarine. Située sur les pentes sud de l'Etna, à une altitude de 1655 mètres, latitude 37-69-25, longitude 15-02-74. Celle-ci fait partie d'un réseau de surveillance sismique de 617 stations déployées par l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, abrévié INGV, au niveau national italien et dénommé 4. L'enregistrement a été réalisé sur les axes Z vertical et N horizontal, correspondant aux chaînes dites HHZ et HHN, échantillonnées à une fréquence de 100 Hz le 2 février 2023, entre 11h52 minutes 32 secondes et 14h22 minutes 32 secondes. Je vous présente Lorella Abenavoli. Elle vit et travaille à Paris. Elle est artiste, chercheuse et professeure en pratique artistique et histoire de l'art. Elle est diplômée des Beaux-Arts en sculpture et détentrice d'un doctorat en recherche-création soutenu en 2017 à l'Université du Québec à Montréal. Le titre de sa thèse est « Le son plastique, empreindre le flux et l'inouï, sonification et audification dans l'art de l'installation ». Alors, je vous présente Arthur Anguehard. Il vit et travaille à Nantes et Paris. Il est géoscientifique de formation universitaire, éducateur et militant de l'éducation populaire. Il développe actuellement une thèse au sein du programme SACRE de l'école doctorale 540 en codirection entre l'école des arts décoratifs de Paris et le département de géosciences de l'ENS, intitulée Écouter la Terre. Hybridation art géophysique, géosciences, pardon, dispositifs sonores interactifs et relations post-humaines à l'environnement. Ce que nous venons d'entendre est un enregistrement numérique, des variations de tension imposées dans une bobine par les mouvements de deux masses ferromagnétiques sur ressort faisant partie d'un système géophonique triaxial d'un sismomètre large bande du modèle Trillium 40 développé par la firme canadienne Nanometrics. Celle-ci permet, selon le constructeur, la reproduction avec un facteur d'atténuation inférieur à 3 décibels des fréquences imposées entre 0,025 Hz et 85 Hz pour des vitesses du sol inférieures à 5 mm par seconde. Il est relié à un encodeur numérique 24 bits de type Trident FS de sensibilité égale à 0,4 count par microvolt et générateur d'un flux de données transmis en temps quasi réel et par connexion satellite au format mini-SID à un serveur SIDLINK, à l'aide du modèle d'acquisition du CI du système SAISCOM-P développé par le GFZ de Potsdam. Ce que nous venons d'entendre est une sonification des ondes terrestres. La sonification, née en 1992 lors du premier International Conference of Auditory Display, ICAD, organisé par Gregory Kramer au Santa Fe Institute. Depuis, la sonification est une discipline de recherche qui réunit une communauté de chercheurs dans le monde entier. C'est aussi un site éponyme qui actualise cette recherche. Pour donner une brève définition de la sonification, c'est la transformation de data en son signifiant. Cette discipline naît de l'inflation de données temporelles corrélatives du développement du numérique. En effet, le médium sonore permet d'accéder de façon sensible au flux des données et de transmettre ainsi une quantité importante d'informations. L'audification que nous pratiquons dans ce projet est une audification. Cela consiste à ausculter le corps Terre grâce à des sismomètres et afin de rendre audibles les vibrations de la Terre. Ce que nous venons d'entendre est l'expression ponctuelle et deux fois unidirectionnelle d'un champ de déformation affectant un sismomètre doté de 3 pieds ajustables en acier inoxydable et installé sur une dalle de béton horizontale de dimensions inconnues. L'ensemble est contenu dans une chambre en béton enfouie partiellement dans le socle géologique correspondant à une coulée basaltique de 1766 appartenant à la Formazione Torre del Filosofo. L'épanchement majoritaire est majoritairement composé de débris scoriacés, présente une morphologie tantôt AA, tantôt en bloc, sur plusieurs mètres d'épaisseur et recouvre d'autres strates de types inconnus. Le site est entouré d'une végétation semi-forestière, discontinue, majoritairement composée de conifères et située à proximité des Via Catania à l'ouest et au sud, ainsi que de la Strada Provinciale 92 au nord et à une distance de 1 km environ. La mer Méditerranée est située à environ 15,24 km, 30 degrés sud.
Ce que nous venons d'entendre, c'est en 1985, amoureuse de David et de la Sicile, je pars vivre à Palerme. Les premiers mois, je vis chez Tony, via Lincoln, lui artiste et photographe à l'Università degli Studi di Palermo, del Dipartimento di Archeologia. Un week-end, à l'improviste, on décide d'aller sur l'Etna. On prend la voiture, un appareil photo, de quoi grignoter, et on roule en direction de l'Etna. Dopo due orette, on l'aperçoit, et la route se met à onduler et à monter doucement. Ad un tratto, all'uscita di una curva, on surplombe un champ de coquelicots, rouge, vermiglione, un campo di papaveri rossi, entouré de collines, de roches noires à perte de vue. Cette roche, coulée liquide, pétrifiée, dont les plis recouvrent les flancs de la montagne, il paesaggio è sublime. Lo spazio e il tempo si sono mineralizzati. L'espace et le temps sont minéralisés et ouvrent un abîme dont la fragilité de ce champ de coquelicots rouges sang souligne la profondeur. Affascinati, fermiamo la macchina e camminiamo sulla lava. On descend de la voiture pour marcher sur ces pans de lave plissés. Être Etna, essere Etna, essere terra, essere être terre, être noir et cendré, essere lava schiumosa, essere lave poreuse, poser le pied sur ses plis, fragile tissu feuilleté qui se casse sous nos pieds, être pierre volcanique, être minéral, tu me pétrifies, murmure Gerasim. Pourtant, mon cœur bat, rosso e fragile papavero fior di lava, essere stata lava incandescente, être roche, poudre, mousse, tu me cendres et tu me pierre, Etna, tu me cratères, tu me poreusement, tu mosses et me minéralises. Ce que nous venons d'entendre correspond à une réponse psychologique et physiologique de nos corps plongés dans le volume d'une pièce de 170 mètres cubes environ, acoustiquement perturbée par un ensemble de quatre enceintes et haut-parleurs de la marque italienne FBT, traduisant sous forme d'onde P acoustique un signal électrique égalisé et amplifié à l'aide d'un appareil HPA de 240 watts. Les variations de pression de l'air induites au niveau des conduits auditifs de chacune de nos deux oreilles par le milieu extérieur ainsi que par les réponses acoustiques transmises de nos os et organes provoquent la mise en mouvement d'un tympan rigide suivi d'une chaîne d'osselets. Le tout transmet de manière non équivalente des fréquences entre 20 Hz et 20 000 Hz à la périlymphe de l'oreille interne. Les cellules ciliées de la cochlée mises en mouvement sont alors responsables d'un message nerveux transmis et interprété par le ganglion spiral, le noyau cochléaire, l'olive supérieure, le lémnisque latéral, le colliculus inférieur, le thalamus auditif avant d'atteindre le cortex auditif primaire et d'impliquer progressivement l'ensemble de notre cerveau et de notre être. Ce que nous venons d'entendre, cette perméabilité des corps, ce devenir Etna, cet écoulement de soi dans un phénomène extérieur à soi et cette incorporation en soi de ce qui est à l'extérieur, cette expérience porte un nom, Einfühlung. Ce terme, conçu aux origines de l'esthétique allemande au XIXe siècle, formulé par le sculpteur et théoricien Robert Wischer et revisité au XXIe siècle par la théoricienne de l'art Stefania Caliandro, désigne une expérience psychique, sensible et cognitive où, je cite Stefania, où le moi et le non-moi coulent et se rassemblent en un tout énigmatique. Lorsque j'ai compris comme sculpteur que je voulais donner corps à l'Einfühlung, le son s'est imposé dans ma pratique comme médium immersant, fluide et temporel, capable de donner forme et ainsi de partager cette expérience esthétique originelle. Ce que nous venons d'entendre est un enregistrement audio au format .wav 24 bits en stéréophonie, lu à l'aide d'une carte son inconnue associée à un ordinateur Dell. Le fichier SID initial, composé de 9001 points, a été téléchargé à l'aide d'une requête HTTP, envoyée depuis un script informatique décrit en langage de programmation Python, basé sur la librairie open source OpSpy. Les données ont été centrées numériquement de manière à obtenir un signal de moyenne égale à 0 et amplifié par 61 décibels, avant accélération par 20
et suréchantillonnage à 48 kHz à l'aide d'une interpolation de Lanczos. Les signaux nord-sud horizontaux et hors et haut-bas verticaux ont été affectés respectivement à 100% à droite et à gauche à l'aide d'un logiciel open source nommé Audacity. Des fondus en volume, en entrée et sortie de pièces ont été appliqués suivant des courbes sigmoïdes à l'aide d'un logiciel freeware dénommé Reaper. Alors, comme artiste, la sonification, et précisément ici l'audification, est la technique que nous avons choisie pour partager l'Einfühlung. Elle transpose dans le domaine de l'audible la part vibratile du monde, ici, aujourd'hui, de l'être Etna. Techniquement, les ondes mécaniques infrabasses terrestres ont été accélérées afin que nous les entendions, donnant ainsi une forme auditive à cette expérience, immersant presque tout notre être. Cette immersion est bien sûr le fruit d'une construction, d'un artefact, d'un dispositif technique audio mis en œuvre pour révéler et partager cette expérience. L'Einfühlung est-il une modalité de la connaissance ? Le processus d'élaboration et de diffusion de l'œuvre est-il une épistémologie ? C'est l'une des questions sous-jacentes de notre collaboration et de la nature hybride de cette présentation, s'inscrivant dans les méthodologies développées dans la recherche qualitative. Il y a en deçà de ces questions, celle plus fondamentale de la relation du savoir avec l'écologie, du savoir comme écologie et de l'écologie de la connaissance, qui doit quitter, selon nous, la stricte objectivation du monde pour questionner la part instable du savoir, la relation. Merci. Merci à tous les deux pour cette immersion. Pour moi, c'est vraiment la première fois, après beaucoup d'années en volcanologie, que j'assiste à une chose pareille. C'est vraiment émouvant. Merci vraiment. Est-ce que quelqu'un veut poser des questions sur cette immersion, sur cette stéréoscopie de vos présentations ? Oui. Présentez-vous, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont en ligne. Je m'appelle Nelly Wang et je suis étudiante en géosciences à l'École normale supérieure. Et j'avais une question. Donc, l'enregistrement, il a duré quelques minutes, mais déjà, si vous étiez tous les deux sur le terrain, combien de temps ça vous a pris de mettre tout en place pour faire l'enregistrement final et d'avoir un produit final bien ? Alors, du coup, le terrain, c'est depuis mon bureau qui est là-bas. Parce que, effectivement, peut-être que j'ai lu un peu vite, comme on l'a expliqué, c'est un enregistrement qui vient d'une station sismique qui s'appelle Etna Sella Pizzuta Calvarina, qui est située sur le flanc sud de l'Etna, et c'est une station permanente qui est là depuis un paquet d'années. Le sismomètre, lui, celui-là, il a été installé, si je ne me trompe pas, en 2014 ou 2020, enfin, il y a plusieurs versions, il a été changé plusieurs fois. Et donc, en fait, on se connecte et on va aller chercher. Donc après l'installation, Boris saura peut-être plus répondre que moi sur combien ça met de temps à installer un tel dispositif. Mais bon, ça prend quelques minutes de téléchargement. Bon, sur la technologie, j'ai un peu à dire. Ce qui est intéressant, ce qu'on a écouté, c'était effectivement la version traduite dans des fréquences audibles pour nous d'un signal qu'on appelle infrason. Et c'est un signal extrêmement important dans la surveillance des phénomènes volcaniques, car ça nous donne des informations sur le style de l'activité et sur le lien de l'activité. Car avec suffisamment de micros, c'est enregistré par une sorte de microphone, un géophone. Et si on a plusieurs de ça autour du volcan, on a une dizaine au moins de ceux-là, on peut localiser très parfaitement l'endroit où ça se produit. Et c'est, pour nous, c'est important qu'on a plusieurs cratères sur l'Etna et c'est intéressant de savoir lequel est en activité ou lesquels parfois, car on peut même voir si ce sont deux ou trois qui sont en activité. Et les cratères, comme je l'ai présenté avant, ils ont des personnalités bien précises. Donc, chacun fait des éruptions de l'activité à sa manière, avec son intensité
Donc, si c'est le cratère sud-est qui donne des signaux, bien sûr, on fait un peu plus d'attention, car il est potentiellement très violent. Et c'est pour ça que l'infrason, ça donne des informations sur la profondeur des processus d'explosion, donc où est le magma, à quelle profondeur ça doit être en contact avec l'atmosphère, en tout cas pour produire ce signal infrasonique. Donc, c'est beaucoup d'informations importantes qui sont là-dedans. Et ça a aussi un effet psychologique assez fort, car ça, c'était un signal d'une activité relativement basse. Pendant que quand il y a des grands paroxysmes avec des grandes fontaines de lave, des grosses bulles qui explosent, ça fait vibrer tout, même les murs des maisons. Et les gens sont bien sûr très inquiets. Merci Boris. Je pense qu'on... je vois une autre question. On va prendre l'autre question et puis je pense que ce sera la dernière. Après, on continuera au cours de la pause. Donc, s'il vous plaît, présentez-vous au début de votre intervention. Bonjour, moi je suis étudiante en littérature à l'ENS et c'était vraiment passionnant, je pense, pour Nelly Wang et moi, parce que justement, on travaille en fait ensemble au CERES, donc le Centre de recherche en écologie de l'ENS, sur un podcast sur poésie et écologie. Et donc, on est une étudiante de géosciences et une étudiante de littérature. Je voulais savoir la place de la poésie dans votre travail, parce qu'on a écouté donc ce texte qui est très poétique, avec la place aussi, moi, qui m'intéresse, de la métamorphose, de l'hybridation, on va dire, avec la terre des corps. Et je voulais savoir la place de la poésie dans vos recherches. En fait, c'est la première fois que je fais une présentation comme ça. Ça faisait à peu près 30 ans que je voulais le faire. Donc, je me suis lancée aujourd'hui. j'ai fait un petit clin d'œil à Gerasime Luca, vous avez peut-être reconnu. Et donc, la poésie de mon travail, de ma recherche, elle m'accompagne toujours. En termes, je parle de littérature, la poésie de textes, de poètes. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on se retrouve, on se retranche dans nos disciplines théoriques respectives. Alors que peut-être tu pourrais répondre à cette question. Je dis ça parce que, en fait, sur le plan scientifique, est-ce qu'on écoute, est-ce qu'on a mis des dispositifs et tout. En fait, moi, ça fait à peu près plus de 20 ans que je travaille la sonification. Et au début, je travaillais avec des DVD qu'on m'envoyait par la poste, des stations sismiques qui étaient en Inde, enfin, dans différents endroits, grâce à l'Institut de géophysique du globe, qui était mon lieu de travail. Et je pense que sur la poésie, peut-être que toi, tu veux dire quelque chose ou... Je pense que je n'aurais pas de bonne réponse, parce que c'est hyper compliqué, c'est très vaste. On ne peut pas y répondre franchement. Je pense que, par contre, on se retrouve avec Lorella sur une recherche poétique. On pense que la poésie, elle est capable d'apporter, elle est qualitativement différente comme forme de savoir, comme forme de... Et elle est capable de porter le savoir autre part que simplement dans la peinture de quelque chose. Elle est capable de nous transporter, de porter vers l'action. Elle est aussi potentiellement un autre mode de relation. Donc, j'ai pas de bonne réponse, mais simplement pour dire pour nous, et on partage ça à travers que, en fait, ce son-là, on pourrait... Il y a plusieurs dimensions poétiques dans ce que tu dis. Nous, on a cherché à travers ce texte plusieurs registres poétiques. Mais en fait, ne serait-ce que la structure et la manière dont on propose une écoute, pour nous, c'est aussi une forme de poésie, parce qu'on va se mettre dans une salle d'une certaine manière, on va proposer une certaine écoute. Or, on pourrait aussi juste dire, je mets mes deux écouteurs et j'écoute le même signal. Et en fait, on ne met pas en place la même poétique non plus. Donc, il y a un petit peu tout ça aussi qui rentre en jeu dans cette question-là. Voilà, je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais on aura essayé. Je dis trois mots et j'arrête. Non, juste pour répondre strictement à votre question sur l'écriture, parce que c'était ça aussi la question, et je complète ce que vient de dire Arthur. Vous avez vu qu'on a parlé dans différents registres, hein, dans la présentation qu'on vient de vous faire. Et en fait, je crois que finalement, tu as tout dit. Merci encore à tous les deux. Alors, oui, c'est juste, dans le cadre de mes recherches, je suis assez curieux de l'expérience que vous avez pu vivre. Donc, j'ai emmené deux petits enregistreurs et il y a un petit enregistreur que j'ai positionné dans la salle derrière avec juste deux petites questions. Trois petites questions. S'il y en a quelques-uns ou quelques-unes qui veulent bien prendre une ou deux minutes à la pause pour se mettre devant l'enregistreur, répondre facilement aux questions
Et puis voilà, moi, ça m'aidera dans mes recherches, donc merci d'avance.